Et salut, c'est pour un nouveau épisode sur Dark. Allez, c'est parti pour un tour. J'aime pas déjà ça, c'est génial, ça commence à mais. Attends de voir un truc. Alors, comment faire ça? Je sais pas comment faire ça, c'est pas cool. Là, j'entends de voir une vidéo, même la personne a du mal. On va faire ouais.
on avance bien. Allez, allez, allez. J'aime pas les ennemis, je te jure. Mais après, le jeu il est pas mal, mais t'enlèves les ennemis, ils sont beaucoup mieux. Point de vue personnel. C'est sûr. Et ça après je le descends où ça? Je le descends où le truc là? On va voir un truc. Ouais, elle est logique. Ouais, c'est ça que je pensais. Ah bah voilà. Je sais c'était mon dernier rayon. Ok. Comptes-tu quitter la tour une fois Straga éliminée? La bonne question. Straga et la tour ne forment qu'un. Même si tu parviens à le battre, tu es coincé sans moi. On a besoin de lui. Prie pour que le cavalier ne revienne pas vivant. Ouais. Ok.
Ah, qu'est-ce que c'est long, ces ascenseurs, hein, franchement. Oui, par contre, je vais avoir du mal. Tu t'avais en plus fort que dans les souvenirs de Straga. Mais ici, tu affrontes Straga sans le moindre espoir de victoire ou de fuite. Straga est le plus puissant des élus. Et le dernier, ton maître a bien mal choisi. Celui-là, il est pas petit en fait. Straga va adorer te tuer de nouveau. L'un ou l'un des plus gros. Straga va encore te tuer. Straga va encore te tuer. Ah, ok. Ouh, ça va pas être évident. Tu vas m'échapper encore longtemps, cavalier. Échapper encore longtemps, cavalier. Ouais, tu pars. Ok. Ok. Le cavalier à place. C'est toi. Cette fois, tu vas définitivement mourir. C'est toi.
Non. Straga va encore te tuer. Ok. J'attends. Tu vas m'échapper encore longtemps, cavalier. Ouais. Je le disais, Straga et la tour ne forment qu'un. Voyons si je peux encore être utile. Ok. Ok, ok, voilà le truc. Ok, par le puits. Il est venu me voir après sa mort. Abaddon, vivant. Et je voulais tellement y croire. Ah, quel idiot j'étais. Azrael, vous avez vu Abaddon après sa mort ? Ouais. Si je l'ai vu, je l'ai amené ici, dans l'Éden. À quel jeu joues-tu, Azrael ? L'Éden n'existe pas, n'existe plus. Pauvre ignorant. J'ai vu quand les premiers hommes se sont fait chasser et le jardin tombé en ruine. Je ne pouvais pas laisser le don originel des cieux et la plus grande arme simplement pourrir ou sombrer dans les ténèbres. Okay. Alors, je l'ai caché. Ok, tu l'as caché où ? L'arbre de la connaissance. Alors, Abaddon s'est approché de l'arbre. Ok, il s'est approché. Tu dois utiliser ses dons à présent. S'il existe un moyen d'arrêter le destructeur, l'arbre te le montrera. Je n'ai jamais osé l'utiliser moi-même. D'accord. Si je l'avais fait, il en aurait peut-être été autrement. Et Abaddon, quel don a-t-il reçu ? Je ne pouvais pas le savoir. Chaque personne qui s'approche de l'arbre reçoit un don différent. Certains n'obtiennent rien, d'autres deviennent fous à cause des visions. Ah bah d'accord. Ou sont simplement détruits. Ok. Bah non, là. Je ne peux pas l'affirmer. Viens. Ember. D'accord, il se passe quoi là ? Ah ouais, pas mal ! Il n'y a pas de chemin. Ouais. Il y en a un, pour ceux qui en sont dignes, ceux qui peuvent voler. Cavalier, tu as si longtemps combattu les ténèbres. Qu'elles t'ont marqué. Ah ouais. Les créatures de la lumière le sentiront, tout comme moi. Pour ainsi dire, tu es pire qu'un démon. Ember. Surmonte les ombres, ensuite tu passeras. Es-tu prêt à te faire face dans la lumière ? Ouais, je suis prêt. Certains ne sont pas préparés à le voir. Le masque des ombres. Oui,
tu liras dans le royaume des ombres tant que tu porteras ce masque. Bonne chance. Ok, merci. Alors, par contre, comment ça se fait que j'ai du son, moi, quand je débloque un truc? Hoppa! Hoppa! Voilà, on n'aura plus de son. Alors, RT, pour enlever ce masque, basculer la vue normale. Alors... Ok. Ah ben ça c'est fait. Le premier don des cieux t'attend. Je reste ici avec le guetteur. Je ne quitte pas le cavalier des cieux. Où il ira, j'irai. Ok. Très bien. Alors vas-y, dirige-toi vers l'arbre. Tu n'atteindras jamais l'autre côté. Ouais, tu parles. Ah. Ok. Quelle fois, pourquoi je mets le masque de temps en temps? Oh my god. Plutôt servir dans les cieux ou régner dans les enfers? Alors je prépare, Uriel. Et bientôt, j'aurai besoin de toi à mes côtés. Je vous suivrai dans les enfers, maître. Ok. Il savait. Mais comment? Les plans les mieux conçus. Comme avaient l'habitude de dire les humains. D'accord. Alors, c'était vous? C'est toi, okay, qui as comploté pour nous appeler dans ce monde. J'ai simplement pris l'avantage sur ton initiative. Non. Non, si.
Je considère ça comme une proposition, Abaddon. Et toi, mon loyal serviteur, rejoins-moi et tu deviendras ainsi le destructeur. Non. Quand le trône aura appris ce que tu as fait, tu seras alors chassé, traîné comme un malpropre devant le conseil. Tu es déjà condamné. Alors je t'offre ce choix. Plutôt servir dans les cieux ou régner dans les enfers. À présent, rejoins donc Azrael. Persuade-le de nous aider. Ensuite, ensemble, nous changerons à jamais l'univers. D'accord. Abaddon doit être puni. Il ne respecte aucunement la loi. Il se moque ouvertement du conseil. Quelle preuve ? Possédons-nous. Les sceaux sont intacts. Il est sûr que l'ange a été aidé. Ouais. Mais par qui ? D'accord. En attendant, nous devons attendre. Son mépris ne mérite absolument aucun répit. Le conseil faiblit. Combien de temps reste-t-il avec notre fin ? Nous ne pouvons pas arrêter Abaddon. Mais d'autres, en revanche, le peuvent. Il suffirait d'un motif. Nous ne pouvons envoyer les quatre. Sans preuve, pas de justice. Seulement des crimes. Il n'y aurait aucun motif pour cet assassinat. Ouais, d'accord. Nous en enverrons un pour qui la vengeance est un motif suffisant. D'accord, on comprend mieux l'histoire. Je garde le septième sceau. Ce monde est à nous. Les cieux sont à nous. Tu savais qu'il s'agissait d'un aller simple. Ok. Oh my god. On comprend mieux. Alors, on retourne voir le truc à Azrael, Béduchouette, pourquoi j'ai mon curseur qui est là. Ça pour ça. Ok. Alors, Abaddon est le destructeur. Quoi ? L'archange ? Il a été trahi. Ce n'est qu'un pion dans un plus vaste complot. Tu dois lui apporter la paix. Abaddon est le destructeur. Il me semble que la paix n'est plus de mise. Qu'as-tu découvert dans les visions ? Un moyen de l'arrêter ? Ouais. Il y avait cette épée. Celle qui a brisé les sceaux. La lame d'Armageddon. Ah, ok, la lame d'Armageddon. Mais une fois les sceaux brisés, Abaddon a ordonné sa destruction sur l'enclume où elle avait été créée. Cavalier, je crains que la lame ne soit définitivement perdue. Elle sera forgée à nouveau. Ouais. As-tu vu autre chose ? Abaddon garde le septième sceau. Il complote pour prendre d'assaut les portes blanches. Uriel va mener les gardiens des enfers contre lui. D'accord. Et échouer. As-tu vu autre chose ? Je n'ai rien vu d'autre. Je vais nous ouvrir un passage. Une fois qu'il sera fermé, le jardin et ses secrets seront perdus à jamais. Ok. Quand tu es prêt,
Dis-le-moi. Ok. Je vais pas avancer trop vite parce que si je meurs, okay. Tout ça pour ça, tu vois. Non, mais sans blague. Trouve Ultan, il t'aidera. Il doit t'aider. Ok. Abaddon aura éparpillé les restes de l'épée et caché là où celui qui marche dans la lumière ne pourra les trouver. Le royaume des ombres. Oui, porte le masque des ombres. Retrouve les morceaux de la lame brisée. Ensuite, retourne à la forge du marteau noir. D'accord. Quand tout est fini, reviens me voir. Je te serai peut-être utile une dernière fois, avant la fin. Ok. Azrael, vous auriez pu me laisser livrer à mon propre sort. Mort dans la tour, perdu parmi les cendres de l'Éden. Pourquoi m'aidez-vous à présent? Ouais, pourquoi? Quand tout sera fini, le Conseil verra que justice a été faite. Ouais. J'ai tué Abaddon. Ouais. Et tous ceux qui ont comploté avec lui. Nous devons tous répondre de nos péchés, cavalier. Quand l'heure de mon jugement aura sonné, je l'embrasserai. Ainsi, la lumière décidera. Allez, ne perds pas de temps avec moi. Et dis à Ultan qu'il est le dernier espoir d'un vieux fou. Ok. La lame a été éparpillée dans ce monde en ruine. Trouve les fragments, forge-les avec le marteau noir. Donc ça c'est fait. Attends une minute, toi. Deux, trois, quatre, cinq, six. Ah ouais. Ok. On va parler. Ah ouais, ça. Tu es tout aussi sage et que puissant. Voilà un excellent choix. On regarde partout. Ok, entre des serpents. Ok.
faire un truc. Allez, je vais bientôt arrêter. Parce qu'on a essayé de m'appeler là. Voilà. Alors je fais une petite sauvegarde. Et je vais quitter parce que là on m'a essayé de m'appeler. Et moi je vous laisse. Allez, à plus.